Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver. Alors, ravi de vous retrouver avec un café d'Éthiopie. Je bois à votre santé, bien sûr. Partie préenregistrée. Pourquoi préenregistrée? Simplement parce que le festival d'Aix-les-Bains bat son plein. Il a commencé samedi. On arrive presque au milieu. Demain, on a la soirée. Des jeunes, la soirée des espoirs, s'appelle les espoirs, la catégorie entre 18 et 25 ans. Donc, je sais qu'ils nous ont préparé des surprises, des belles choses. J'ai eu quelques échos, quelques indiscrétions, mais bon, j'en sais pas plus que ça, mais je sais l'enthousiasme qu'ils ont à travailler tous ensemble et l'entente extraordinaire qui existe entre ces jeunes. Voilà. Le vendredi soir, on a la soirée karaoké. Et ensuite, eh ben, ce sera comme dans un grand mariage, comme dans une grande réception. On s'ira tous au revoir, on n'aura pas le temps de voir tout le monde, mais ça aura été une semaine magique. Et c'est pour ça qu'on fait des festivals de Scrabble depuis maintenant des années, quoi. On souhaite à tous une excellente partie et vive le Scrabble. Vous n'avez aucune lettre devant vous. Vous allez tirer Uruguay U. Océanie O. Luxembourg L. Grèce G. France F. Hongrie H. Uruguay U. Je joue avec Italie, Luxembourg, Océanie. Grèce, France, Hongrie, Uruguay. Et 3 minutes.
Reste à vous. Votre mot et votre score. Sur ce coup, vous allez jouer. Alors, fallait réussir à mettre le F sur la case bleu clair. Donc, pour 24 points, horizontalement, en H4, vous posez filou. F-I-L-O-U. Filou, c'est l'anagramme de fuel. Et est-ce qu'on aurait une ardoise? Oui, il y a 9 mots de 5 et 6 lettres qui se terminent par L-O-U. C'est filou, igloo. Regardez, il y a une autre graphie de igloo. Pilou, relou, quelqu'un qui est relou, mais si c'est une fille qui est relou, eh bien, ça prend un E. Ça veut dire, c'est du verlan, hein. C'est quelqu'un qui est lourd, qui est lourdingue. Il est relou. Voilà, c'est rentré dans le dictionnaire. Biclou, ben biclou, vous savez ce que c'est. Chelou, quelqu'un qui est louche. Voilà, à nouveau du verlan. Et elle est chelou, elle est bizarre. Loulou, un sacré loulou. Marlou, pas de problème, c'est l'anagramme de Morula. Mais c'est également l'autre, c'est la même chose que Marle. Donc l'autre graphie, c'est Marlou ou Marle. Et puis Zoulou. Le Zoulou, lorsqu'il se marie, il se marie avec une Zoulou le plus souvent. Voilà. Donc ça revient ici. Petite chose que je voulais vous dire. Qu'est-ce que je vous dis? Oui, simplement que Fuel, c'est l'anagramme de Filou. Voilà, ça apparaît ici. Ça revient à sa place. Et ça disparaît pour qu'on puisse continuer à jouer. Grèce, Hongrie. Je vous propose de rejeter ce reliquat composé de Hongrie et de Grèce. Suite à ce rejet, Italie I et Égypte E, Suisse S. Algérie A, Maroc M, Roumanie R, Uruguay U, Italie, Égypte, Suisse, Algérie, Maroc, Roumanie, Uruguay. Les 3 minutes.
Reste à votre mot. Et votre score. Alors, dans les mains, vous avez plein de Scrabble. Il y en a qui sont faciles. Il y en a qui sont fabuleux. Muret, aïès, mesuret, museret, remuet, résumé, tout ça c'est facile. Aérium, mailleur et muret. Muret, AIES, une plantation de mûres en fait. Voilà. Philo, si vous demandez si au bout c'est un S ou un X, souvenez-vous de hibou, caillou, chou, genou, enfin il n'y a pas filou dedans. Donc c'est bien un S au bout de filou. On va jouer pour 76 points. En 4H, verticalement, à partir du F de filou, vous descendez fumeret. 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 60, 16 points. Démarrage, alors je ne me permettrai pas de dire démarrage tranquille, mais il y a des parties qui dépotent plus que ça. Et pour l'instant, celle-là, elle nous permet de ne pas être trop loin normalement du top. Faut en profiter, faut savourer, parce que ça ne dure jamais bien longtemps. Sinon, on n'aurait pas besoin de ces vidéos. Venezuela V, Luxembourg L, Égypte E deux fois, Italie I, Suisse S, Algérie A, Venezuela, Luxembourg 2, Égypte, Italie, Suisse, Algérie. Et 3 minutes. C'est à vous votre mot et votre score.
Sur ce coup, un top à 83 points. Pour 7 points de mieux que Avalisé, qui est le sous-top. Il y a Avalisé et Ovalisé. Vous allez partir du S de Fumeray et jouer un difficile slavisé. S de Fumeray, L-A-V-I-S-E-E. Slavisé E en O4. Ça rapporte. Quatre-vingt-trois points. Plus de lettres devant vous. Suite à ce joli Scrabble. Uruguay U. Égypte E deux fois. Piocher un joker. Ça réveille tout le monde, ça. Grèce G. Danemark D. Roumanie R. Uruguay 2 Égypte. Joker Grèce, Danemark, Roumanie. Et 3 minutes. Allez, votre mot et votre score. Draguer, graduer, déléguer, déréguler, droguer et eux.
débagué, Joker B. On va jouer, donc tout ça se fait 68 ou 70 points. On va jouer pour 72 points. Une seule solution à 72 points. Il fallait avoir l'idée, alors c'est difficile, de penser au Joker Z pour une terminaison E-ray. Horizontalement en M3, sur le A de fumeray, vous posez dagueray. D, le A de fumeray, G-U-E, R-E, Z, c'est le Joker. C'est le verbe daguer. Une dague, c'est un poignard. Donc daguer, c'est une agression d'un autre temps, mais qui revient à la mode quand même. Attention. Plus de lettres devant vous. Je vous propose Suisse S, Portugal P, Algérie A, Océanie O, Tunisie T, Égypte E, Canada C, Suisse, Portugal, Algérie, Océanie, Tunisie, Égypte, Canada. Et 3 minutes. Allez, c'est déjà à vous. Votre mot et votre score. Alors, sur ce coup, on a capote dans les mains, le sous-top c'est écopate. Pactole, compéta, bon, il y a de quoi se rabeler. Alors, écopate c'est 98 points, on va jouer pour 107 points. Alors, je vous dis juste la place, et ensuite je vous explique ce que fait ce jeune champion, ce jeune prodige Quentin Bachellerie,
qui a plusieurs titres de champion de France déjà à 12 ans et qui 11 ans je crois qu'il a, et il joue les dimanches avec nous. Souvent, il attend le score, la place, et il arrête la vidéo. C'est-à-dire que je dis, voilà, 107 points en 5D. Et là, il arrête la vidéo. Et pendant 30 secondes, il va chercher, c'est-à-dire c'est un petit peu un match dans le match. C'est-à-dire qu'il va se fixer un autre objectif, un exercice d'aller trouver le top tout seul. Attention, on l'a aiguillé, on lui a dit la place et le score. Donc, en quadruple, n'hésitez pas à essayer de le faire une fois, comme ça, pour voir ce que ça dit. Soit ça vous fatigue, vous n'avez aucune envie d'arrêter une vidéo, vous dites, ouais, je ne suis pas là pour ça, voilà. Ou bien, vous faites violence une fois pour voir cet exercice qui, à mon avis, est peut-être pas mal. En 5D, on appuie sur le I de filou, et de manière à recouvrir le quadruple improbable, hein, vous descendez opacité. O, P, A, C, le I de filou. T, E, S, opacité. Ça forme ut, me et avec une lettre de fumeret. On me dit dans l'oreillette qu'on a une ardoise. Oui, c'est les 14 mots de cette lettre qui se termine par cité. Donc site ou cité quoi. Alucite, calcite, dulcite, écocité, grécité, laïcité, le site, opacité. C'est un anagramme de écopée, j'ai oublié de vous dire, opacité. Précité, regardez, c'est un adjectif, c'est pour ça que j'ai mis un E au bout. Rocité, le caractère de ce qui est rauque. Suscite, S-I-2-C-I-T-E. Suscite, et c'est un verbe, donc c'est pour ça que je vous ai mis un R au bout. Unicité. Et incite. J'imagine que c'est quelque chose en rapport avec le zinc. Vous pouvez noter qu'il y a zincite et zincate. Voilà. On peut apprendre deux mots en même temps sans se soucier de la définition en fait. Mais moi, zincite, zincate, ben, je retiens les deux mots. Ne venez pas me demander ce que ça veut dire. Attention, c'est une manière, moi, comme ça que j'avais appris au moment où j'apprenais beaucoup. Mais c'est une manière d'apprendre de. Une grande majorité de Scrabbleurs, hein, de champions. Alors voilà, moi j'ai plein d'anecdotes à vous dire, hein, sur les champions. Et je me suis énormément inspiré d'eux, ben déjà pour vous donner les conseils que je vous donne. Et lorsque moi j'avais envie de progresser, et puis j'apprenais les anagrammes, je regardais. Moi ce qui m'avait le plus impressionné, c'était j'avais un pote, c'était Joël. Il disait, je dis, mais comment tu trouves Santibar? Il y avait Santibar à Vichy, dans la même partie, il y avait Santibar et Acromion. Il trouve les deux, tranquille. Il me dit, Santibar, c'est Bricante. Je dis, je ne comprends pas ce que tu veux me dire. Ben, Bricante, c'est ce qu'on forme quand on a ces lettres-là. Bricante, on sait que ça n'existe pas, mais c'est facile à former. Et moi, je retiens Bricante faux égale Santibar. Attention. Il y en a qui ne veulent pas apprendre comme ça. Mais il n'empêche que moi, si j'apprends pas Bricante faux qui vient de Santibar, ben, je raterai toute ma vie Santibar. Voilà. Et comme j'ai un peu d'orgueil dans le sport, je me dis, je ne veux pas le louper la prochaine fois. Et donc, j'ai appris Bricante. Voilà. C'est un des conseils que je vous donne, comme ça, que je vous distille au fil des parties. Vous faites le tri dans ce que je dis. Vous prenez ce qu'il y a de bon et vous laissez ce qui vous semble saugrenu, augure au pluriel plus n. Plus de lettres devant vous. Je vous propose Norvège N deux fois. Uruguay U. Italie I. Tunisie T. Égypte E. Suisse S. De Norvège, Uruguay, Italie, Tunisie, Égypte, Suisse. Et 3 minutes.
C'est à vous votre mot et votre score. Alors sur ce coup, annuité, dans les mains on a sinu, sunnite, nuise et usine. Oh là là. On joue pour 68 points. Vous allez mettre un S à filou, vous descendez en 9E. Nuise, ENT. N, U, I, le S au bout de filou, E, N, T. Nuise, c'est en 9E. Et ça rapporte 85 points. Soixante-huit points. Pourquoi je dis 85? Excusez-moi. 68 points. Plus de lettres devant vous, prenez Égypte E. Piochez un joker. Zambie Z. Roumanie R. Suisse S. Océanie O. Jouez avec deux Égyptes. Joker, Zambie, Roumanie, Suisse, Océanie. Et 3 minutes.
Allez, c'est à vous. Votre mot et votre score. Là, les terminaisons bouserait, roserait, songerait, joker, j'ai sonnerait, soulerait, snoberait, songerait. Nous, on a ce réflexe de E-R-E-Z. Et il y a deux solutions à 95 points qui bousculent un petit peu ce E-R-E. D'accord? Il y a 0 T, le verbe. Et on va choisir joker A. De manière à mettre un S à slaviser, vous descendez azoré. A, c'est le joker. Z, O, R, E, E. Et le S, au bout de slaviser, on vient de jouer azoré. Ça met slaviser au pluriel. Plus de lettres devant vous. Égypte E. Grèce G. Maroc M. Océanie O. Norvège N. Portugal P. Italie I. Égypte, Grèce, Maroc, Océanie, Norvège, Portugal, Italie. Et 3 minutes. Reste à vous. Votre mot et votre score. Sur ce coup,
On cherchait un A ou un E pour empoigne ou empoigna. Trente-quatre points. Verticalement en 8A, vous allez descendre un joli pigeon. P I G E O N. Ça forme on et nu avec les deux premières lettres de nuise. Pigeon. Ça rapporte 34 points. Pigeon qui se dit en anglais pigeon. Ça n'a aucun intérêt de vous dire ça, mais comme je ne savais pas quoi dire, je trouvais qu'il y avait un blanc, je me suis dit occupe l'espace. Dis n'importe quoi. Parce que je trouve que dans l'exercice de. Je suis plutôt pas mal dans cet exercice de dire n'importe quoi. Maroc M, c'est votre reliquat. Ah! Plus intéressant que ce que je viens de dire, et c'est pas difficile, vous allez recevoir une ardoise. L'ardoise, c'est les 11 mots de 6 à 8 lettres qui se terminent par G-E-O-N. Ça commence par pigeon, c'est le seul 6 lettres. Et en 8 lettres, vous avez plongeon, badigeon, ouais, il y en a 5. Et en 7 lettres, rien n'est connu. C'est incroyable d'ailleurs, hein. Il y a drageon, dudgeon, glageon, gorgeon et surgeon. Rien n'est connu. Incroyable quand même, hein? Et le badigeon en 8 lettres, c'est le badigeon, c'est ce qu'on mettait sur les plafonds. Tous les plafonds étaient faits en badigeon. Voilà, parce qu'on badigeonnait de ben, je ne sais pas exactement ce que c'était, l'enduit. Voilà, ça n'existe plus aujourd'hui. Maroc M, c'est votre reliquat. Je vous propose Algérie A deux fois. Norvège N. Tunisie T. Italie I. Roumanie R. Maroc, deux Algérie, Norvège, Tunisie, Italie, Roumanie. Et 3 minutes.
Reste à vous. Votre mot. Et votre score. Super. Sur ce coup, un maximum à 76 points. Dans les mains, vous avez Tamarin. Marion, Marina, Marnet. Mais Tamarin, c'est le plus surprenant. En B2, on appuie sur le I de pigeon. Vous allez poser Ranimet. R-A-N-I-M-A. Le I de pigeon, T. Ranimet. C'est en B2 et ça rapporte 76 points. Suite à ce Scrabble, une fois de plus de lettres devant vous. Je vous propose Égypte E. Maroc M, Luxembourg L, deux fois, Algérie A, Belgique B, Venezuela V. Un instant, je vérifie. Je vérifie, j'ai un petit doute que je n'ai pas donné un mauvais tirage. EMLLBAV, c'est ça. Et 3 minutes.
Reste à vous. Votre mot. Et votre score. Vingt-six points sur ce coup. Il y avait lavable, valable, mais c'est horizontalement qu'on va jouer. En N9, vous posez un joli éleva. E, L, le E de Azoré, V, A. Éleva. Ça rapporte 26 points. Ce Z, Z-E-E qui nous surprend maintenant, si on était des champions, ne nous surprendrait pas parce que on l'aurait préparé dès qu'on a joué Daguerré. On a joué Daguerré, on voit qu'est-ce qu'on peut mettre entre les deux. Ben, Zoé et Z. Voilà. Et ça, c'est ce à quoi on travaille pour que tout ça, ça devienne des automatismes. BLM, Belgique, Luxembourg, Maroc. C'est votre reliquat. Égypte, E deux fois. Tunisie, T. Italie, I. Belgique, Luxembourg, Maroc, deux Égypte, Tunisie, Italie. Et 3 minutes.
Reste à vous. Votre mot, votre score. Alors, les lettres d'appui. Vous savez, quand on voit ces lettres-là, je me disais, c'est sur un A, il y a bimétal qui existe. Mais bimétal, est-ce que c'est un adjectif? Moi, j'aurais envoyé bimétal avec un E, ça aurait été zéro. Mais, je vais vous dire, les appuis avec ces lettres-là, ça, c'est super intéressant. Sur un L, il y avait embelli, du verbe s'embellir. Et sur un S, il y avait blémite, du verbe blêmir au passé simple. C'est ce verbe blêmir sur lequel on va se concentrer. Le top, c'est 39 points. Vous allez mettre un i au bout de Eleva. Et vous descendez, attention à la dernière lettre du mot, blémie. B-L-E-M. Le i qui fait élever. Et attention, c'est bien un e final, j'insiste, ce n'est pas un t qui était l'isotope, vous l'avez compris. Suite à ce mot, pardon, il vous reste un T. Ajoutez-y Italie-I. Danemark D, Roumanie R, Algérie A, Suisse S, Égypte E. Jouez avec. Tunisie, Italie, Danemark, Roumanie, Algérie, Suisse, Égypte. Et 3 minutes. Reste à vous votre mot et votre score.
Sur ce coup, on va jouer pour 74 points. Faites bien attention à la solution retenue. Verticalement, en 13C, vous descendez des triades. T, R, I, A, D, E, S. Ça forme As avec le A de Azoré. Triade. Groupe de trois. Voilà. Il y avait dans les mains Résida, Ridat, Sidera. Le plus dur, c'est Stadier. Un mot assez nouveau. Stadier, Stadière. Sinon, que des verbes. Hein. Ridat, Détira, Sidera, Athée. Pas facile. Hein. Et Tirade. Tirade, je l'ai dit. Voilà. Plus de lettres devant vous. Algérie A, Wallonie W, France F, Océanie O, Tunisie T, je suis pas sympa avec vous, hein. Jordanie J, Québec Q. Je vous prie de m'excuser pour ce Algérie, Wallonie France, Océanie Tunisie, Jordanie Québec. Et 3 minutes. C'est à vous, votre mot et votre score. Sur ce coup, un maximum à 48 points. Pour 5 points de plus que
Jade, le sous-top. Non, pardon. Rota, J-O-T-A. Rota. En A1. Alors, vous allez jouer pour 46 points. En 3A, Wakf. W, le A de Ranimer. Q, F. Voilà ces mots qui apparaissent dans le Scrabble qui sont pas beaux du tout. Wakf, qu'est-ce que c'est pas beau? Il faut faire avec. Voilà, Wakf, un mot qui vient de l'arabe. Dans les pays musulmans, c'est un bien de main morte. Voilà. C'est-à-dire qu'on vous lit la définition, on comprend même pas ce que ça veut dire. Il vous reste dans les mains Rota, justement. J-O-T-A. Ajoutez-y Uruguay U. Algérie A, ça vous en fait deux. Yougoslavie Y. Jouez avec deux Algéries, Jordanie, Océanie, Tunisie, Uruguay, Yougoslavie. Et 3 minutes. Allez, c'est déjà à vous. Votre mot. Et votre score. Sur ce coup, on va jouer pour 46 points, vous ferez bien attention à la solution retenue. On va jouer sur le R de triade. Donc pour 6 points de plus que jury, vous allez poser Troy. T, le R de triade, O, Y. Troy, c'est l'anagramme de Tori. Et la difficulté, c'est de savoir lequel est variable, lequel est invariable. C'est-à-dire que Troy
et Tori. Il y en a un, tu mets un S, l'autre non. Eh bien, c'est Alexis qui m'a appris un moyen mnémotechnique formidable. Il dit Tori. Écoutez bien. Tori, T-O-R-Y. Tu peux mettre un S devant, un S derrière. Story et Troy. Voilà. Donc là, tu sais que Troy, ça prend un S. Et que Tori, tu peux rien mettre ni devant ni derrière. Voilà. Ça, c'est un super moyen mnémotechnique. Comment? Si vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, vous avez un replay. Il est fait pour ça. AAJU. Deux Algéries. Jordanie, Uruguay. Voici Norvège N. Égypte E. Tunisie T. Deux Algérie. Jordanie, Uruguay, Norvège, Égypte, Tunisie. Et 3 minutes. C'est déjà à vous. Votre mot et votre score. Sur ce coup, vous allez jouer pour 42 points, 10 points de plus que Jument en J2. Vous allez poser en 15A sur le Y de Troy, vous descendez ETA. ETA, le Y de Troy. ETA, 15A. Quarante-deux points. Prêt pour la suite?
Jordanie, Norvège, Uruguay. Voici Océanie O. Luxembourg L. Norvège N. Belgique B. Jordanie, Norvège, Uruguay, Océanie, Luxembourg, Norvège, Belgique. Il y a bien 2 N et 3 minutes. Reste à vous votre mot et votre score. Sur ce coup, en J2. Là où tout à l'heure on avait parlé de jument, vous posez jumelle. J-U, le M de fumeret, le E de opacité, L. Jumelle, ça rapporte 31 points. On sent qu'on approche de la fin quand même, hein. Belgique, de Norvège, Océanie. Voici Uruguay U. Xénophon X, Danemark D, Belgique de Norvège, Océanie, Uruguay, Xénophon, Danemark, et 3 minutes.
Allez, c'est à vous. Votre mot et votre score. Sur ce coup, peu difficile. En fait, au Scrabble, on a besoin que tous les coups sont difficiles. On va jouer pour 39 points. La meilleure lettre au meilleur endroit, avec le X, mais c'est pas pour ça qu'on va le trouver, parce que c'est quand même un mot de vocabulaire. En F2, sur le A de opacité. Vous posez Donax. D-O-N. Le A de opacité et le X. Sur la case bleu clair. Bleu marine. Donax, c'est un petit mollusque bivalve. Plus intéressant que la définition, c'est l'ardoise. Les 9 mots de 5 lettres qui se termine par AX, Adax, Alpax, Borax, Donax, Furax, Apax, ça s'écrit également sans le H, Panax, ça s'écrit également Panas, Relax, ça prend un... Ah, c'est un verbe, donc Relaxa, Wimax, jolie ardoise, sublime même. Elle revient à sa place, elle disparaît pour nous permettre de jouer. BNU, Belgique, Norvège, Uruguay. Je vous propose Kenya K, Canada C, Roumanie R, Hongrie H. Joue avec Belgique, Norvège, Uruguay, Kenya, Canada, Roumanie, Hongrie. 3 minutes. Reste à vous votre mot et votre score.
Alors, c'est le dernier coup de la partie. Je vous ai expliqué comment, logiquement, on perd encore 4 points ou 5 points sur ce dernier coup. On a le K dans les mains, donc automatiquement, on va essayer de l'optimiser, aller chercher soit une case bleu marine, soit un mot qu'on double, soit une lettre qu'on double. Cob. Cob nous paraît un peu évident sur le O de Hazoré. Cob qui s'écrit également COB, et encore moins connu, COBE. Ça se note, hein? KOB, COB, COBE. On va pas jouer le K. Et c'est ça la difficulté. Pour 32 points, en 14 de F, vous descendez verticalement un H, U, N qui forme AAH, du et en, avec trois lettres de triade. Vous serez très nombreux, j'en suis sûr, à jouer cette partie. Cette partie en 18 coups pour un top à 1010 points. Je vous remercie d'avoir suivi la partie jusqu'au bout. Le plus intéressant, c'est sans doute, alors, pédagogiquement c'est sûr, le débrief. Le débrief, je le kiffe. Le débrief, tu le kiffes. Le débrief, on le kiffe. Filou, c'est l'anagramme de fuel. C'est ce qu'il faut retenir de la partie. Non, il ne faut pas retenir que ça, mais filou, fuel. Muret, vous vous souvenez, il y avait aérium, il y avait muret, AIES. Il y avait un autre qui était assez dingue. Voilà, bah écoutez. Fumeret. Ah oui, Mayer. M-A-I-E-U-R-S, c'était ça. Fumeret. Sinon, regardez, refumer 74, ça perd 2 points. Le voilà, le aérium, 70 points. Mayer, j'en ai parlé, 69 points. Muret, une plantation de murs, voilà, 69 points. Ici, slaviser est très très dur. Avaliser est difficile aussi. Donc 83 points, 76 points. Alévi, 71 points. Élevé, 71 points. Ovaliser, 66 points. Éveilla, 65 points. Dagueret, 72. Débaguer, 70. Dégluer, 70. Déjauger, 70. Draguer, ES, 70. Gardeuse, 70 également. Capote dans les mains. Scrabble sec, opacité, magnifique, hein, incroyable comme d'aller croire au quadruple, c'est ça qui est dur. Écopate, 98 points, ça perd 9 points. Capote, le voilà, à 87 points. Acompte, acompte, c'est dur parce que on hésite à savoir s'il faut un C ou deux C. Compéta, c'est l'anagramme, 71 points également. Pactole, 66 points, voilà tout ce qui permet. De Scrabble, nuise ENT, usine ENT, on est à 68 et 65 points, menuise, regardez, 9 lettres, 64 points, annuité, difficile, 62 points, sinu, 61 points, le plus surprenant c'est sunnite, 61 points, dur, hein. 0T ou Azoré, regardez, 95 points, ça gagne 2 points sur Roseré, et puis pas mal de points, on est à 88 points avec Bouzeré, Sonderé, 86 et 88 contre 95 points, le top, empoigna, empoigne, les deux seules lettres d'appui, A ou E, pigeon, avec une jolie ardoise, 34 points, ponge, 32 points, gnome, 29 points, ranima, tamarin dans les mains, donc ranimer, mariner, alors non, 76, 72 points. Le tamarin, 72 points aussi. Voilà, juste une information extrêmement importante. Est-ce qu'au bout de tamarin, tu mettrais un E? Bon. Moi, j'en mettrais pas, en fait. Tamarin. Non, surtout pas de E au bout de tamarin. Et par rapport à tout à l'heure, je vous ai donné un mot. Ponge, j'avais l'impression que c'est un adjectif. Oui, pongé. Pongé. C'est un rame de éponge. Voilà, c'était les deux petites choses que je voulais vous dire qui me semblaient très importantes. Éleva, fait autant que lavable ou valable. Blémite sur un S,
Embelli sur un L, blémi-e, blémi-it, on est à 39 points. Bête, 36 points. Vous apprendre quelque chose d'incroyable. Au bout de bête, tu mets un E. BT et E. C'est les choses, quand ça sort, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Détira, triade, tirade 74, détira 72, ridade 72, sonderai, regardez, encore un 9 lettres. On est à 70 points. Désira, 67 points. Ça en fait de l'anagramme. Wakf, c'est pas joli, 46 points. Rota, 43 points. Là, on pense à Joyau. Joyau, en fait, il rapporte que 39 points. Jury, 40 points. Troy et Arty, 46 points. Etéya, 42 points. Jument, on retrouvera la place tout à l'heure, 32 points. Jeta, 27 points. Jumelle, le voilà, 31 points. Joual, Joual, Jouo, 30 points. Joba, Jobi, Joba, non, nouveau verbe. Donax, 39 points. Le mollusque, E, vous l'aviez. Exo, on est à 36 points pour les deux. On termine par un difficile 1, 32 points, qui gagne 4 points sur Cobb ici et 5 points sur Cobb ici. 28 et 27 points. Après, on est dans le ruck. 26 points, c'est un terme de rugby. Écoutez, quel plaisir de préparer cette partie pour vous. En tout cas, même si ce n'est pas en direct, je peux vous dire que pendant toute la partie, je pense à vous et à la pédagogie et ce qu'apporte cette partie. J'espère que vous y avez pris du plaisir. J'espère que vous avez trouvé cette partie agréable du début jusqu'à la fin, que les supports pédagogiques vous plaisent, vous conviennent. Je me permets de vous embrasser, je vous remercie, je vous souhaite une belle semaine, sans oublier de vous dire, vive le Scrabble!